Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'arrives pas à rester avec un homme? Mais déjà, quand tu sors avec quelqu'un, c'est pas juste relation sexuelle Ouais. tout le temps. Il faut genre, il faut en fait voir pourquoi vous êtes ensemble en fait, pourquoi vous voulez être ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Tous ces points-là, voir si tu l'intéresses vraiment en tant que personne, pas juste pour le sexe. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous et en ne lisant que 2 pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon, pour ma part, moi je pense que pour se marier, je pense que c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Ouais, donc quand tu sens que tu avais la bonne personne déjà, déjà il faut trouver la bonne personne avant de se marier. Mmh. Si je me dis... est-ce que quand tu es avec la personne en question, tu te dis, ok, est-ce que quand je sors peut-être de mes wak-wak, du travail et tout, est-ce que j'ai envie de rentrer à la maison? Tu vois? Parce que moi, je connais des hommes qui sont mariés, mais chaque fois qu'il se rappelle qu'il doit rentrer chez lui, c'est compliqué. Ouais, c'est très, très compliqué. Donc, c'est horrible en plus. Ouais, c'est horrible. Ah ouais. Partage la même maison et le même milieu. Ça sert à quoi de se marier alors? Mais après, les gens se marient pour les mauvaises raisons aussi. Parce que beaucoup de gens se marient parce que l'âge, ils estiment que l'âge est arrivé pour eux de se marier. Et non parce qu'ils ont trouvé la bonne personne. Moi, tu sais, tout le temps, on met la pression. Ouais. On me dit, ouais, tes copines noblesses, tout le monde est marié. Ouais, que toi, t'es là, ils ont les enfants, genre, t'es là, t'es pas marié tout le temps. Même quand on m'appelle et tout, on me dit, ah ouais. Ah, Inès et tout, le mariage, c'est pour quand? Mais bah, quand arrête, Inès, le mariage, c'est pour quand aussi? Parce que nous, on devrait bien savoir. Est-ce qu'on va venir manger le riz? Franchement, des fois, même à la... pendant le nouvel an et tout, là. Ouais. Et quand je les appelais, les gens, ils pensaient que c'était bon, allez, tout. Ouais. Ils me disaient ça. C'est le mariage de Marika. Mais Inès, ça veut peut-être dire que c'est le moment, là. J'espère que l'année prochaine et tout, genre, tu vas nous présenter quelqu'un. Non, franchement, il y a trop de pression pour rien, en fait. Moi, je me dis que... moi, je me laisse vivre. Je vais essayer de voir avec la personne avec qui je suis. Si ça marche, ça va, quoi. Si non, ça marche pas, genre, moi, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut prendre la question, hein. À mot de si ça marche. Moi, je pense qu'il faut se dire, ok, je suis avec quelqu'un, on va tout faire pour que ça fonctionne. Oui, voilà. J'essaie. En fait, tu te dis ça, mais il faut que la personne en face de toi aussi. Voilà, c'est sûr que pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez ça, deux. En fait. Oui, ouais, forcément, il faut que vous soyez deux. En fait, tout le monde souhaite genre avoir quelqu'un avec qui genre tu vas cheminer ensemble. Non, attends. C'est plus au niveau de la décision. Oui, moi je pense que c'est une décision parce que les challenges, les problèmes, vous allez avoir. Mais au bout d'un moment, être ensemble, c'est une décision. Aussi. Ce n'est pas les juste on a un sème machin ouais, tout ouais. Ça c'est les débuts ça ouais, mais au bout d'un moment vous savez que s'il y a les challenges est-ce que bon parce que dès que vous avez désinstallé l'application on va dire divorce entre guillemets, voilà. Ben maintenant vous vous dites ok on a ce problème ci qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème et là ça change tout lorsque vous savez que non vous êtes ensemble bon maintenant si en fait tu es un peu comme tu vois quand tu te disputes peut-être avec ta maman ou bien ton frère ou bien ouais, voilà. Un membre de ta famille tu vas être ça va être plus difficile pour toi de dire c'est bon je coupe les ponts ouais, voilà, jamais voilà, tu vas te dire bon c'est quand même ma mère c'est vrai on est fâché aujourd'hui mais c'est ma mère quand même je peux pas bloquer ma mère sur WhatsApp bon moi je l'ai fait pas pour les mêmes raisons j'ai bloqué ma mère sur mon WhatsApp pro ouais c'est que elle t'a bloqué aussi comme ça quand tu vas débloquer la mère je l'ai bloqué sur mon WhatsApp pro parce que très souvent, quand tu vois les trucs qui dans mes WhatsApp, vous avez tous un petit commentaire, j'ai dit, allez hop, c'est bon. Non, mais ça, c'est bloqué pour pas qu'elle voit. Oui, ça, tu vois, ça, tu vois, je bloque. Ouais, ça, tu vois, je bloque. Ah, bah oui. Pas qu'il regarde les vidéos. Ah, ouais, grave, grave. Ouais, non, en fait, tu penses de la même façon. Ok, c'est ma mère, je peux pas couper les ponts. La même façon, tu vas penser avec ton conjoint. Ah, on sort ensemble, c'est mon copain, je veux faire ma vie avec lui. Peu importe les difficultés qu'on va avoir. Mais comment tu sais que c'est avec lui que tu veux faire ta vie? Est-ce qu'il y a des critères, des cases à cocher? Il faut d'abord que lui, il pense comme toi. C'est-à-dire, on doit rester ensemble. Si vous savez que vous êtes obligé de rester ensemble pendant 50 ans, ben, vous n'allez pas... Ouais, on cherche toute la solution. Vous allez vous dire, bon, viens, on passe ça vite parce que... Mais tu sais, il y a aussi un truc qui tue beaucoup dans les couples, c'est l'ego. Tu sais... Si tu es dans un couple, à un moment donné, quand il y a un problème, il y a un qui dit non, c'est lui, c'est elle qui doit venir vers moi. Elle, c'est de son côté, elle dit non, c'est lui qui doit venir vers moi. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça tue beaucoup de couples. Après, moi, je me dis, dans un couple, il ne faut pas
Il faut pas qu'on installe l'ego, genre. Il faut pas qu'il y ait un ego. Par exemple, quand tu sais que t'as tort, tu t'excuses, après on passe à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais je sais, mais par exemple, moi je sais que quand j'ai tort, je m'excuse. Quand j'ai pas tort, j'attends qu'on m'excuse. Ouais, mais moi je pense qu'il doit pas avoir l'ego, quoi. Par rapport à cette phrase-là, en fait, elle avait dit un truc dans le livre, ça m'a beaucoup marqué. Elle a parlé des fondations. C'est quel livre toujours? Le choix du bonjour. Okay. Elle disait que c'est vrai, genre, on nous presse et tout, on met la pression. Oui, regarde, un tel s'est marié, toi tu es toujours là, tu es la honte de la famille, tu attends quoi? Si tu plus le temps passe, et plus ça va être compliqué pour toi d'avoir des enfants, donc il faut te marier rapidement, etc., etc. Le problème, c'est que on te parle pas des fondations, on te parle pas des bases du mariage. On te dit juste. On t'explique même pas ce que c'est que le mariage. On te dit, voilà, on t'explique. On t'explique même pas. Tu rends des dents et puis tu n'es pas prêt. Ouais. Tu vas souffrir. Genre, les gens ne se rendent pas compte à quel point la douleur, quand tu es avec quelqu'un, que vous disputez, tu dois le voir, tu dois rester avec lui. Genre, c'est pas comme on s'est disputé en séparation de quoi, tu le vois plus. Ouais, c'est vrai que vivre de la même maison et tu sais que tous les jours, tu vois. H24. Ouais. Justement, par rapport à ça, c'est que le Covid a fait que beaucoup de couples se séparent. Parce que, il y avait le travail, du coup, je te disais, mais. Il y en a, c'était compliqué. Parce que, il y avait le travail et tout, ils se voyaient pas tout le temps. Mais, un peu seulement, on les a mis ensemble pendant 3 jours, là. Ouais, c'était la folie. Ça y est, c'était des disputes tout le temps. Non, mais je pense que la base, c'est, il faut qu'il y ait d'avoir une communication. Faut déjà savoir, il faut déjà s'assurer que l'autre, il y a même des dit quoi. Que l'autre sait ce qu'on veut et qu'on s'assure qu'on peut apporter à l'autre ce qu'elle veut. Parce que s'il n'y a pas cet échange-là de « Ok, je t'apporte ce que tu veux et toi, en retour, tu m'apportes ce que je veux », ça va être compliqué. Surtout la communication, c'est la base. Mais maintenant, communiquer aussi, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre communiquer et parler. Parce que tu vas voir dans un couple, moi, en général, les femmes sont championnes. Parce que tu dis quelque chose. Mais elle comprend tout l'inverse, parce qu'elle a fait son analyse et tout. Et toi, tu te dis, mais non, ce n'est pas ça. Toi, tu es allé trop loin. Juste, limite-toi à ce que j'étais dit là. Et du coup, des fois, ça peut créer beaucoup d'amour, beaucoup de sous-entendus en mode, ouais, tu avais dit ça. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on doit apprendre avant de dire, avant de chercher à, est-ce que je vais me marier cette année? Non, tu vas te dire, est-ce que je suis prêt pour me marier? C'est vraiment différent. Est-ce que tu es prêt pour te marier? Genre, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te disputer? Comment résoudre les conflits? Est-ce que tu es prêt aussi à entretenir la relation? Comment on fait pour entretenir une relation? Comment on fait pour garder l'amour là toujours avec les flammes, quoi? Et comment on fait? Ah, c'est 3 heures de... Mais en 2 mots, comme ça, une personne te dit, ok, je suis en couple, il veut entretenir la flamme, tu lui réponds quoi? Je vais entretenir la flamme. Moi, je partirais plus sur développer des projets en commun. Ah ouais, ça, c'est super important, ça, ouais. Quand on a les projets en commun. Des projets en commun. Que ce soit professionnellement ou bien même ensemble. On se dit, bon, moi, j'aimerais que, là, j'ai pas vraiment d'exemple. Moi, j'ai l'exemple. Parce que, par exemple, donner ensemble, argent, livre et tout, c'est un projet que, ouais, peut-être c'est moi l'initiateur. Mais le fait qu'on travaille ensemble dessus, ça fait même que des fois, quand on a des embrouilles, et j'ai dit, bon, il faut qu'on se parle parce que il y a quand même le projet qui est là, il y a des résultats, tu as des clients, tu as de l'engagement, et puis bon, juste à partir du projet, on échange et après, bon, après, on trouve un moyen, on résout. Donc, c'est vrai que c'est. Ça permet justement de sortir de cette routine-là. Déjà, le fait que vous ayez un projet ensemble, vous allez pouvoir parler beaucoup par rapport à ça. Maintenant, juste tous les deux là, vous allez avoir une activité. Peut-être que vous allez tout le temps aller faire une randonnée, vous allez marcher tous les samedis, ou bien vous allez décider de prendre des cours de cuisine. Ouais, il faut avoir une activité ensemble. Et ça manque beaucoup dans les couples des Africains, ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'activités entre le mari et la femme. Très souvent, c'est au bout d'un moment, c'est une routine terrible. Ouais. La femme prépare, l'homme rentre, il mange, et je pense que ça gâche beaucoup de choses. Ou bien après, on se retrouve au bar. C'est un peu délicat. Et il y a aussi un truc que j'ai découvert, il y a des petits jeux que les couples peuvent avoir qui sont intéressants. Des petits jeux simples, ça permet aussi de mieux connaître l'autre. Ça peut être parfois intéressant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Tout à l'heure, on parlait de beaucoup de couples ont divorcé pendant le Covid. Et il y a aussi beaucoup de couples aussi qui ont
qui ont supporté avec le Covid, genre, qui sont toujours là, en fait. Oui. Et eux, en fait, pour se poser, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour, genre, rester toujours ensemble? Est-ce qu'ils ont essayé de trouver des solutions? Ils ont essayé de, genre, comment dire? Passer leurs problèmes. Voilà, c'est régler leurs problèmes, en fait. Parce que je me dis, les autres qui ont divorcé, par exemple, c'était pas vraiment compatible aussi, peut-être. Aussi, c'est surtout c'est possible. Au niveau de la dispute que tu vois, dis le couple dure. C'est pas parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on arrive à résoudre les problèmes. Exactement, c'est parce qu'on arrive à résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, le meilleur, tout le monde, c'est le meilleur. Tout le monde peut supporter le meilleur. C'est ça. C'est pour ça que même quand on se marie, on dit le meilleur, le pire. En fait, c'est surtout pour le pire. Parce que le meilleur, tout le monde peut supporter le meilleur. Ah ouais. Est-ce que toi, tu es prêt à supporter le pire avant de rentrer dans le mariage? C'est ça. Mais il y a des choses de pervers quand même lorsqu'on s'habitue à la rupture. C'est que quand tu t'habitues à la rupture, au bout d'un moment, tu ne supportes plus rien. Ouais. Dès qu'il y a un petit problème dans le couple, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est qu'on se sépare. Et au bout d'un moment, tu t'habitues à ça et les conséquences peuvent être désastreuses. Ouais, par exemple, aujourd'hui, maintenant, le divorce, c'est terrible. Ouais. Ah ouais, et les gens, même, ils tiennent même pas un an de mariage. Ils divorcent. Tu peux parler un an, c'est trop. Trop. Moi, je connais une femme, des histoires comme ça, honnêtement. Je connais une femme qui se marie avec un gars. Tu sais, ici, bon, là, pour le coup, c'était une européenne, elle se marie et tout. C'est le grand jeu, elle remet la clé du cœur, machin, truc, grosse révélation pendant le mariage. Six mois plus tard, elle se marie avec un autre, elle remettait aussi la clé. Du coup, elle se demandait c'est comment elle avait remis la mauvaise clé à l'autre. Donc, ça, c'est aussi, c'est un peu délicat. Oui, du coup, Inès, toi, tu avais une question? J'avais une question. Ouais. Ma question, c'était la pression sociale, en fait. Ah oui. Comment vous gérez la pression sociale et tout? Moi, je pense que par rapport à la pression sociale, il faut déjà savoir ce que tu veux pour toi-même. Ouais. Il faut déjà savoir ce que tu veux. Parce que être adulte aussi, c'est être capable de prendre ses propres décisions pour soi-même. Moi, j'ai un peu le parallèle par rapport à Argent Livre. Moi, quand je lance Argent Livre, les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ils disaient, Valère, tu es étudiant en médecine, qu'est-ce que tu vas foutre à faire des vidéos sur Internet, quoi que tu vas changer le monde et tout le bazar. Mais quand je dis ça, ce sont les personnes proches, pour ne pas dire ma mère. Tu m'avais dit un jour que tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas changer le monde? Va à l'école. Et dis quoi maintenant? Non, maintenant c'est mon fils, vas-y. Je t'encourage. Tu dis que ton business là, ça à quel niveau? Non, continue. Quand elle a un problème, elle dit, toi tu bavardes trop, je sais que tu as des contacts, résous-moi tel problème et tout, machin, tout. Donc là, je t'ai dit, bon, voilà. Donc, il y a cette pression-là. Mais bon, moi, comme je savais où est-ce que j'allais, et j'avais compris que mes proches n'avaient pas vu ce que moi j'avais vu. Du coup, moi, j'étais OK. Je me disais, quand ils vont voir ce que moi j'ai vu, ils me donneront raison. Mais bien sûr, il faut accepter que les gens doutent de toi jusqu'à ce que tu leur prouves le contraire. Tu vois. Donc, lorsque j'ai eu conscience de ça, je savais ce que je voulais. Moi, j'étais OK avec ce que les gens pouvaient dire. Donc, c'est la même chose par rapport à la pression sociale. Toi, quand tu décides que tu veux peut-être, tu estimes que pour le moment, c'est pas le moment pour toi de te marier. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Donc, tu sais que la direction que tu prends, toi, tu la vois, mais les autres ne la voient pas. Donc, tu acceptes que, OK, ils vont te dire oui, mais c'est leur âge de se marier. Mais ça, c'est leur problème. Parce que moi, je sais que celui qui suit la foule, en général, ne va jamais plus loin que la foule. C'est clair et précis. Au niveau de la pression, c'est vrai que par exemple, disons que tu as 30 ans, et puis tu vois que bon, la plupart des femmes autour de toi, elles sont mariées. Tes copines, elles sont mariées, il n'y a que toi qui n'es pas mariée. Tu vas commencer à te poser des questions déjà. Forcément. En mode, pourquoi est-ce que je ne trouve pas quelqu'un? Ben. Donc déjà, ça c'est la première chose à faire. Avant de dire, non, je ne suis pas prête, les gens me dérangent. Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'arrives pas à rester avec un homme. Ouais. Parce que on va pas dire que de 0 jusqu'à 30 ans, tu n'as pas... Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Possible. Non, ça, c'est pas normal. Si tu n'as pas... On doit aider la roue village. Et que pendant 30 ans, il n'y a pas un seul garçon qui t'a courtisé. Non, on doit aider la roue village. Non, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il faut que tu revoies ton homme. Mais tu sais, est-ce que moi j'ai coupé? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles croient en Dieu et tout, elles sont pieuses et tout, du coup elles attendent le Saint-Esprit va envoyer leur mari, ouais. Non, moi je crois que vraiment ton mari c'est toi-même tu l'attires. Oui, je crois aussi. Parce que, en fait, dans ta personnalité, ta façon d'être, tu vas forcément être dans certains endroits. Forcément. Parce que, disons que, tu vois, toi tu aimes bien tout ce qui est habillage, les vêtements, la mode, tout ça. Mm-hmm. Tu auras peut-être plus tendance à te retrouver dans un endroit où il y a un défilé de ouais, tout à fait. Tout et fait. Là-bas, tu vas rencontrer cette personne. Donc, si toi, tu es une femme, tu es tout le temps chez toi, et que toi, ton chemin... C'est moi, ça.
au bout d'un moment, il faut se bouger pour rencontrer des gens, quoi. Ouais, si tu sors pas aussi de chez toi, tu vas. Oui, il faut aller rencontrer des gens. Pire encore en France où c'est. Il faut déjà être ouvert au monde. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et ensuite, quand tu es ouvert au monde, tu vas te dire, bon, est-ce que je suis attirante? Ah oui, ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup. Moi, je vais revenir sur le pareil avec les trucs de Dieu, là. Mm-hmm. Beaucoup de femmes croient qu'elles vont être moches comme un thon. Elles vont réussir à trouver un gars canon. Ouais, ouais, ouais. Elle dit que Dieu va m'envoyer le mari. Non, 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 mon cher ami. Non. Il faut que physiquement tu répondes. Oui, oui, oui. Madame est mauvaise. Non, mais c'est vrai. Moi, je rencontrais beaucoup de femmes comme ça. Elles disaient que, ouais, c'est Dieu qui m'a envoyé mon mari, mon ami. Dans les commentaires, il veut être moche comme un thon. Je suis désolé. Aucun homme ne va venir. Il faut être vraiment attirant, autant intellectuellement que ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Et c'est ça, en fait, qui va te donner, tu sais, ce charisme, cette confiance en toi, là. Ouais. Oh, et les hommes vont tomber. Et puis, tu vas attirer, c'est une catégorie. Parce qu'il faut il n'y a aucun homme qui est venu te dire que ma chérie est un bringas pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, si tu es comme ça, et que les hommes qui arrivent vers toi, c'est les koyo-koyo, là. C'est les koyo-koyo. C'est la boukinabe qui a avalé, là, les koyo-koyo. C'est les wesh-wesh, là. Non, là maintenant tu peux te dire, ok, pourquoi j'attire ce type de personne? Peut-être parce que moi-même je me la joue tout, ou quelqu'un ne peut pas venir vers toi et puis cette personne elle se comporte bizarrement et puis tu vas la laisser rentrer dans ta vie. Comment tu vas dire que cette personne n'est pas sérieuse? C'est parce que tu t'es mis avec elle, parce que tu as discuté avec elle. Déjà, tu ne donnes pas ton numéro à ce genre de personnes. Tu filtres, en fait, les personnes qui viennent te demander ou quoi. Tu ne te dis pas, ah, mais je suis désespérée, si je ne prends pas son numéro, peut-être que c'est lui, hein. Ah, bon, peut-être il est un peu bizarre, mais peut-être que c'est lui aussi. Genre, il ne faut pas être désespéré, quoi. Genre, tu filtres, toi, tu connais ta valeur. Et puis ensuite, tu sais ce que tu vas apporter à l'autre. Tu restes. Ok, moi je peux donner ça, je peux donner ci. L'autre aussi, j'attends qu'il me donne ça. Donc tu travailles d'abord sur toi, c'est la première chose. Mais tu sais que ce travail, il y a très peu de gens qui prennent le temps de le faire. Hein. Ouais, beaucoup de gens se mettent en couple par hasard. C'est parce que bon, on va voir ce que ça va donner. Lui, il se dit ok, bon, ok. Moi j'attends X, Y, mais moi qu'est-ce que je vais apporter à l'échange? Ça, c'est une question que très peu de gens se posent et du coup, ça les amène un peu. Mais il y en a qui passent leur temps à lire la Bible en attendant que le Saint-Esprit amène l'homme de leur vie. Ouais, bah, tu vois, voir une femme qui est ton modèle, par exemple, elle est bilingue et puis elle s'exprime bien. Tu as envie d'être comme elle. Tu apprécies ce genre de femme-là. Mais cette femme-là, elle se fait courtiser par des hommes de cette qualité. Tout à fait. À un moment donné, il faut faire le travail. Il faut faire le travail. Le genre d'homme que tu veux, là, il faut que tu correspondes. Il faut que tu correspondes. Et c'est ça, en fait. Il faut correspondre au type d'homme que tu recherches. Il n'y a pas de sorcellerie dans... C'est vrai, c'est vrai. Non, il faut correspondre. En fait, je pense que c'est là toute la clé. Ouais, c'est vrai. Ok, parce que justement, parce que beaucoup ne savent même pas déjà quel type d'homme elles veulent. Elles se disent que Dieu sait pour moi. Ou bien même si elles se disent pas Dieu sait pour moi, elles se disent ah, je suis déjà vieille, il faut que je me case. Hein. Ouais, c'est vrai. Aussi, aussi. Et les gens, ouais, même s'ils choisissent même pas en fait. Ouais, ouais. Le premier venu là qui va lui dire mariage, ah, feu. Tu veux m'épouser? C'est bon. Moi aussi, j'ai besoin de me marier. Ouais, Là c'est chaud, Ok, donc puisqu'on est au niveau du on parle un peu du choix du conjoint et tout, donc on va. Il y a quelque chose que l'auteur dit dans son livre, Lumière d'Inim dans le choix du conjoint. Ça, la page 50, elle dit le mariage, ça c'est un sujet, accrochez-vous, hein. Ah ouais? Le mariage n'est pas bâti uniquement autour du sexe. Après avoir pris toutes les positions du Kama Sutra, il en faut plus pour que ça marche. Il serait bien de cultiver des valeurs dans ta relation, renforcer votre complicité dès le départ. Si le sexe est mis en avant, cela compromettra ta perception de la relation. Cela compromettra ta perception de la relation. Tu en penses pas? Je suis d'accord avec elle. Comment ça? Pourquoi est-ce que le sexe devra compromettre? Non, parce qu'en fait, il y a des mecs, par exemple... Là, tu veux attaquer les garçons. Les femmes, je les attaque. Les femmes aussi ne sont pas restées. Non, après, oui, c'est vrai qu'il y a les femmes aussi. Attends, mais juste, moi, je parle des mecs. Je dis que, il y a des mecs, en fait, quand, genre, ils savent, en fait, genre, tu aimes, genre, tu... Par exemple, si, par exemple... Juste dès le début, c'est sexe, genre, vous parlez même pas, vous sortez même pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Oh là là, tous les jours, coucou bébé, t'es où? Tu passes chez moi? Bah, ah,
est-ce qu'on peut se voir chez ça moi? Ça fait partie des joies des filles. Tout en chez lui, tout en chez lui. Les mecs te demandent pas de sortir. Les mecs. Mais toi, tu peux lui demander de sortir. Même si je demande tout, ah, j'ai mal à la tête. Il faut te demander. Ça sent un peu le défi là, ou quoi? Jusqu'à aller chez moi. Ouais. Non, moi je trouve c'est non c'est mort. Moi je me dis que quand tu commences une relation avec le mec, il faut que tu lui montres toi qu'est-ce que tu veux en fait dans la relation. Mais qui te dit d'abord que c'est lui qui va forcément vouloir en premier? Peut-être que c'est toi qui va vouloir en premier. Non, je comprends. Ok. Moi je pense que le sexe ça doit être deuxième plan. Genre pas tout de suite quoi. Bah, genre... À quel moment alors ça doit intervenir? Au bout d'un jour, deux jours, six mois, c'est à quel moment? Un an, tu testes. Un an, tu penses combien d'hommes vont attendre un an? Au 21e siècle, vas-y. Bien sûr. Combien d'hommes vont attendre un an? Bien sûr. Un homme peut attendre un an. C'est vrai qu'on est jugé qu'on a les femmes en se disant que non, ils ne peuvent pas tenir. Non, si, ils peuvent tenir. Non. Plus d'un an. Même. Ouais, bon, c'est vrai. Mais pourquoi le faire attendre pendant un an? Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous et en ne lisant que 2 pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.